Bon matin à toutes et tous on se retrouve pour le dernier message de cette semaine nous sommes le vendredi 1er mars 2024 j'espère que vous allez toutes et tous bien avant de commencer eh bien l'affirmation positive pour cette journée aujourd'hui je me donne le pouvoir de manifester mes désirs les plus profonds et j'ai pigé aujourd'hui et eh bien pour terminer la semaine Commencement. Je débute un nouveau cycle. Eh bien, cette semaine, euh, si je reprends les les cartes que j'ai pigées, il y avait le lâcher prise, fin de quelque chose, demander, rencontre, et puis commencement. Chaque jour, n'est-ce pas, est un commencement. Quand vous vous levez le matin, c'est un commencement. Aujourd'hui, eh bien, est le premier jour du reste de votre vie. Saisissez la chance que vous, qui vous est donnée, que vous avez. Aujourd'hui, vous pouvez tout commencer ou tout recommencer, c'est selon ce que vous désirez. C'est le commencement d'une nouvelle vie qui s'offre à vous, si vous le désirez, n'est-ce pas? Alors, laissez le passé derrière vous et concentrez-vous sur ce que vous désirez maintenant dans votre vie. Ici et maintenant, faites ce lâcher-prise, la fin de quelque chose, pour ouvrir des portes à une rencontre, à un commencement. Demandez. Laissez le passer vraiment. Concentrez-vous sur ce que vous désirez. Vous pouvez changer si vous le décidez. Qu'est-ce qui vous retient Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous retient sur telle ou telle ou telle situation Peut-être qu'il faudrait que vous changiez de pensée, vos pensées, vos croyances. Vous avez peut-être des croyances limitantes. Et c'est comme ça que vous changerez votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de votre monde. Eh bien, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le jour idéal pour commencer un nouveau projet. C'est le jour idéal pour rencontrer de nouvelles personnes, avoir de nouvelles pensées, installer de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements, de nouvelles croyances. Soyez ouverts, ouvertes à ce qui arrive. Décider aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence un nouveau cycle. Je commence une nouvelle histoire. Je commence un nouveau projet. Je commence une nouvelle relation. Je commence une nouvelle amitié. Aujourd'hui, eh bien, décidez, décidez que cette journée sera agréable et remplie de merveilleuses surprises, que vous rencontrerez de belles personnes et de belles opportunités. Vous êtes dans une joie. Sortez, faites un sourire, souriez à votre voisin, vous allez... Au magasin, souriez à la, à la vendeuse. Voilà, aujourd'hui décidé. C'est le début de quelque chose. Oui, aujourd'hui c'est le début de quelque chose. C'est un renouveau peut-être. C'est aussi peut-être une naissance. Ça peut être aussi une renaissance. C'est une occasion de commencer, de recommencer de faire des rencontres. C'est une occasion d'avoir une ouverture sur telle ou telle chose. Vous allez débuter quelque chose de nouveau qui sera magnifique. Ça, c'est peut-être un commencement dans votre créativité. Vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau. commencement, je débute un nouveau cycle. C'est peut-être un cycle qui vient de se terminer et qui est derrière vous. Ouvrez toutes les portes. Soyez réceptifs à ce qui s'en vient. Ce sont de belles choses qui arrivent pour certains d'entre vous. Alors, affirmation positive pour cette journée. Eh bien, vous vous levez le matin, que vais-je faire de merveilleux aujourd'hui Posez-vous cette question Affirmation positive, je recommence à zéro aujourd'hui. Aujourd'hui est le commencement de ma nouvelle vie. Chaque jour, chaque jour débute dans la joie. Et ce jour est le plus beau jour de ma vie. Et aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, soyez conscient de ça. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Tout est possible si vous le désirez. Si vous en prenez conscience, tout est possible. Commencement de Quelque chose. Waouh! On termine vraiment cette semaine avec un, un beau message, n'est-ce pas, d'espoir et de. Voilà, tout un, tout un travail que vous avez, vous avez fait, vous avez cheminé à ce travail pour faire ce lâcher-prise, pour euh, faire la, la fin d'une époque, la fin d'une chose, pour le commencement, pour euh, de, de nouvelles rencontres. Euh, ce cheminement pour demander. Donc, très beau parcours pour cette semaine, hein, en tous les cas. Je termine, n'est-ce pas, avec euh, le petit oracle des fées et aujourd'hui, respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Voilà, je termine cette semaine et ce mois avec vous et... J'envisage peut-être pour le mois de mars que je ferai, je ferai plusieurs lives avec des tirages. Voilà, euh, peut-être au mois de mars. Et si c'est pas le mois de mars, ça sera le mois d'avril. Mais voilà, je suis en train d'y réfléchir pour faire euh, quelques quelques soirées de live avec euh, des questions de votre part et et avec euh, des tirages, euh, voilà, pour... Euh, et peut-être euh, aussi euh, messages de nos défunts. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis un excellent week-end dans l'amour inconditionnel, la, la tolérance, la bienveillance, l'empathie. Soyez heureux, vraiment. Soyez heureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Et on se retrouve eh bien pour une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous, c'est tellement important. En douceur, n'est-ce pas Vraiment. Prenez soin de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Moi, je vous embrasse tout fort. Et puis, euh, on se retrouve très, très, très vite. À très vite.